je ne suis pas un chef d'État laïque parce qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne dis pas arabes, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïques, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Car le droit musulman nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non, tant sur le plan du droit public que sur le plan du droit privé. C'est malheureusement ce qui a perdu l'Iran et qui a fait que mon ami le regretté Shah n'a pas compris ce qu'il a... On peut dire que c'est lui qui a fait sauter le couvercle de la marmite iranienne qui bouillait parce que pour lui il y avait le clergé. Il appelait les imams le clergé. Alors que chez nous, l'arabaniyat et l'islam, il n'y a pas d'ordre religieux. L'islamisme n'est pas une menace. Pourquoi ? Parce qu'il y a des partis politiques qui expriment et la révolte sociale, et socialiste en particulier, l'USFP fait ce boulot, ou l'indignation de type religieux, les Cyclades le fait très bien. Si les Cyclades n'existaient pas, il aurait fallu l'inventer. Il y a un chef d'État qui occupe la sphère religieuse. Et il vaut mieux dans un pays musulman qu'il y ait, que l'islam ne soit pas laissé en friche. Parce que quand l'islam est laissé en friche, il devient l'intégré. Le citoyen est d'abord un croyant. Vous ne pouvez pas séparer cela. Et quand vous séparez, quand vous obligez les gens à ne plus être des croyants, vous préparez le lit de l'intégrisme. Ce qu'a voulu faire le Shah d'Iran, ce qu'ont essayé de faire les Algériens, avec les résultats qu'on connaît.